Salut à tous les amis, ici Armad, quel immense plaisir de vous retrouver avec Bonjour Madame, comment allez-vous? C'est à peine... C'est à peine sexiste en fait. On est sur Phasmophobia. On va jouer avec les morts, et ça tombe bien, je viens de tuer Joe. Joe que vous connaissez aussi sous le nom de Kuni, que vous connaissez aussi sous le nom de hashtag le caribou. Pas du tout. C'est sur Joe qui ne veut pas se montrer. Si, voilà, il est là, il est beau. Ben oui, quand même. Mais bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Matt. Oui. Je suis prêt à affronter des fantômes. Oui. Eh ben regarde, déjà, il y en a un ici. C'est ce bonhomme de neige très flippant qui te suit du regard. De toute beauté. Voilà. Oh, mais oui, mais c'est Alors, pendant ce temps-là. J'ai pu voir qu'il y a. C'est quoi qu'il y a ici? Ben, il y a une porte. Avec il y a quelqu'un à l'intérieur, mon quelqu'un chat, dedans, voilà. Mais c'est le petit easter egg qui fait peur, voilà. Je vois un buste sans tête, moi, perso, mais je ne sais pas si... Ah. Je ne sais pas. Alors, du coup, on va choisir une petite mission, mon cher. Mm-hmm. Il va falloir que j'achète deux trois choses aussi, parce que j'ai peut-être un peu le plus de sous que toi. Il nous faudrait un livre. Voilà, j'ai acheté un livre. Qu'est-ce qu'on prend d'autre? Un appareil photo? Ah oui, un appareil photo, incroyable. Est-ce qu'on prendrait pas une bougie? Est-ce qu'on prendrait pas ça aussi? Est-ce que je prendrais pas beaucoup trop de matos pour le peu qu'on a, là? Allez, un thermomètre. Non, on a déjà un thermomètre. Allez, hop, j'achète. Let's go. Je sais pas si c'est ajouté. Voilà, c'est ajouté. Genre, j'en ai aucune fucking ID parce que le menu est très bizarre. Si, ah si, c'est bon, ça arrive. Voilà, bah j'ai mis des petites choses. Voilà, j'ai mis des petites choses. Alors, on n'a plus qu'une seule mission parce que le jeu a pas mal changé. Ah, voilà, depuis les dernières parties que vous avez pu voir sur YouTube ou même que bah, vous avez joué au jeu depuis, hein, peut-être aussi. On doit maintenant voter tous les deux pour un contrat. Enfin, tu peux voter, mais en fait, c'est moi qui décide, donc ça sera celui-là. On n'a plus qu'un seul contrat maintenant et on les débloque petit à petit qu'on ait réussi, visiblement. Donc voilà, d'accord. Ça tombe bien, parce que tu commences au jeu, donc on joue en amateur, parce qu'on n'est pas non plus des fifous, hein. Et normalement, si tu es prêt, je suis prêt, nous partons. Peut-être qu'il va y avoir une petite coupure dans la liaison, parce que à chaque fois, les temps de chargement, mais on se retrouve dans le camion. Boum. Oui, effectivement, je crois qu'on l'entend plus. Bon voilà, du coup on est parti pour des petites games sur Phasmo, ça fait plaisir. Le jeu a vraiment beaucoup changé, je l'ai relancé il n'y a pas longtemps avec un ami qui connaissait pas le jeu. On est joué en amateur, on s'est fait rouler dessus, d'accord? On est parti directement avec l'entité la plus vénère, on s'est fait tuer en 2 minutes. C'était assez, assez terrible, en vrai. Très belle expérience, il ne regrette pas du tout son achat. je lui ai survendu le jeu, et voilà. Un peu comme Joe en fait. Mais Joe, on a eu l'occasion d'y jouer ensemble cet été, donc c'est très bien. Alors, 1-2-1-2. 1-2-1-2. On the road again! Oh yeah! Oh yeah! Ok, donc là on est dans le gros camion. Le gros camion, alors, si tu te souviens, on a accès à les caméras. Ah, là, oui. On peut cliquer. Oui, il n'y a qu'une seule caméra. Voyons. Là c'est tout le stuff. On a régalé. Hein. Là j'ai dépensé sans compter. Ok. Le crucifix. Là, je crois, si je ne m'abuse, on a le droit à 2 items, c'est ça, hein? C'est ça, plus une lampe torche que je t'invite à évidemment prendre ici. Voilà. Lampe torche que tu peux activer normalement avec une touche, moi c'est T, mais toi aussi, voilà. Tu peux en fait l'activer aussi et l'éteindre même quand elle n'est pas dans ta main. Ah, ok, parfait, voilà. Parfait. Pas obligatoirement dans ta main pour le faire. Voilà. Quoi d'autre, hein. T'as trouvé le drop. T'as trouvé le drop, c'est très bien déjà. Voilà. Oui, bah moi aussi c'était comme torche. Let's go. Alors. Comme torche. Par ici on a 2-3 petites missions, voilà. Alors là, voilà, ça c'est notre dossier. Ben voilà, il décède en live. Bonsoir. On t'a dit d'essayer de passer le. Bah c'est bon, j'ai trouvé le fantôme, il est là. Je t'ai trouvé. Oh, je vais prendre une caméra. Ah oui, let's go. Alors voilà, donc du coup, tu vois, on a des petites missions. Donc faire en sorte qu'un membre de l'équipe assiste à une apparition fantomatique. On ne devrait pas avoir de problème, parce qu'on va mourir comme des sacs. Donc voilà. Repousser l'entité avec un bâton d'encens. Eh ben, j'ai tout acheté sauf ça. Faire en sorte qu'un membre de l'équipe échappe à l'entité pendant une chasse. Bah, on va essayer justement de ne pas mourir comme des sacs. Donc du coup, ça devrait le faire. Absolument. Si tu te souviens du principe, si tu appuies sur J, tu as le journal. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être vers la fin. Nous, on a le petit encart preuve, là, où on doit cocher les petites les choses qu'on a vues. Voilà.
D'accord, Donc on oui. va tester ces choses-là, puis petit à petit, on va pouvoir choisir un fantôme. Parmi, t'as vu, il y en a Ah oui, effectivement, une il bonne s'en est pelletée, racheté hein, depuis. voilà, Oui, c'est ça. bien sûr. Et puis, du coup, il y a le détail d'identité après, pour savoir un petit peu qui est faible et fort, enfin, les faiblesses de chacun, etc. 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 Voilà. D'accord. Alors, c'est pas parce qu'on joue en amateur qu'on va se taper un fantôme facile, parce que quand j'ai relancé le jeu, je me suis tapé un truc giga agressif qui nous a tué en 2 minutes. Ce genre de choses. Génial. Le fantôme s'appelle Hélène Martin et elle ne répond qu'aux gens qui sont tout seuls. Donc, ça va bien. Hélène Martin, Voilà. parfait, Il faudra parfait, parfait, s'enfermer dans une pièce tout parfait. seul pour répondre. Et puis voilà, le plan, les capteurs sonores, l'activité, tout ça tu connais. Donc, toi, tu as Absolument. pris. C'est quoi le petit clic-clic que tu as là? C'est un thermomètre? C'est un thermomètre Très bien, c'est pratique. Je prends le et petit. j'ai une caméra Panasonic 4K. Oh! J'attends le virement, mais ouais, c'est un bon placement de produit ici. Ok, bah très bien. Alors, si tu te souviens, par contre, s'il y en a un qui décède, il n'entend plus. Enfin, comment dire. Celui qui est mort C'est entend le vrai. vivant, mais l'inverse ne se C'est fait vrai, pas. Donc, je te effectivement. propose que si on décède, bah, on voit ce qu'il advient, genre on give up ou on voit ce qui se passe, quoi. Hein, voilà. Parfait. Est-ce que ça Mais te oui, va? Je bien suis en train sûr. d'inspecter ton fond. Je te fais un fond d'œil là, c'est bon? Voilà, c'est bon. Ta rétine réagit Oh, correctement. oui. Je te propose d'ouvrir le camion. Il faut cliquer sur. Voilà. Pam, pam, pam. Alors, je prends les clés de la maison. Let's go. J'ai pris les clés de Oui, la vas-y maison parce fort, qu'il vas-y fort. faut ouvrir. Bien sûr. Ah oui, au Bien fait, sûr, bien sûr. essentiel, essentiel. Appuie sur B, tu as la radio. Comme ça, on peut continuer de se Le quoi? causer. Excuse-moi, le. Si tu appuies sur B et que tu restes appuyé, c'est la radio. Oui. Voilà. Bonjour, voilà, c'est ça. Et alors, tu vois, quand tu appuies dessus, ça fait un Bonjour. petit. Enfin, c'est Oui. un petit slup. Quand le fantôme attaque, ça fait un gros. Donc, du coup, tu sais. En plus, ils ont mon visuel qui fait. Franchement, magnifique. Voilà, donc du coup, tu sais quand est-ce que ça attaque. Voilà. Et les réflexes Bon, ben, à avoir parfait. en cas d'attaque, c'est évidemment de hurler et d'insulter sa maman. Oui, bien sûr. Bien sûr. Comme ça que ça marche. Hop, voilà, j'ai ouvert la porte. Je t'en prie. Honneur aux invités. Ça commence. Ah, attends, déjà, on peut allumer la lumière si on trouve les boutons. Ça peut être pratique. Voilà, j'ai allumé Alors, un tracker. dis-moi mon cher, la caméra, puis-je la déposer quelque part? Tout à fait. Ben, je t'invite à peut-être pour l'instant la garder. Pardon. Parfait, parfait, parfait. Parce qu'en vrai, Alors, on ne sait pas trop ce qui se passe pour l'instant. Hop là. aucun problème. Alors ici, mon cher, j'ai une température de 18 degrés, mon brave. Eh ben écoute, il fait plutôt chaud, hein, donc je pense que ça va, à moins que ce portrait est visiblement hanté, hein, vu la tronche du monsieur, mais visiblement, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Hélène Martin! Alors Hola! on a un petit sous-sol, on a des chambres. Oh, let's go, le sol, le Le sous-sol. sous-sol directement, je crois que c'est par là. Ah bah tu y es Mon déjà en brave, fait. mon brave, mon brave, j'ai une température de. Non, j'allais dire une température basse, mais en vrai, j'ai du 15 degrés présentement. Ok, alors le thermomètre servira uniquement si le fantôme voilà inclut de la thermo de la comment dire fait des températures glaciales et auquel cas c'est plutôt du Ah, ok, 0, d'accord, 0 moins d'accord, 5 d'accord. hein, en gros. Donc Ok, voilà. donc en fait, ce n'est pas toutes les entités qui Non, vont c'est ça. faire descendre la Ça fait température. partie d'épreuve. D'accord. C'est comme mon petit détecteur que je n'avais pas allumé dans ma main. Si on a un niveau 5 D'accord. avec mon machin, ça veut dire que là c'est un fantôme qui fait les EMF niveau 5. D'accord, je Voilà. comprends. On a un petit garage, je sais plus ce qu'on a par là-bas. Alors, sachant qu'elle répond qu'au. Alan Martin. J'ai pris aussi une spirit box. Donc, ça, c'est un petit boîtier Oh, avec lequel on parfait. peut parler, mais il faut s'enfermer tout seul dans la Ah, j'aime ça. pièce. Voilà. Ah, d'accord. Oui, Parce qu'elle c'est vrai, parce réagit que que. le fantôme répond seulement quand on est tout seul. C'est une petite timide, voilà. Alors, j'ai envie de te dire, mon cher, regarde, j'ai envie de dire, je te laisse dans la chambre. Ouais. Oui, Comme pardon. ça, je te laisse Ok. dans la chambre. Et en fait, tu peux peut-être t'essayer, voir. Oui, bah carrément. Après, en théorie, il y a quand même des petits trucs un peu paranormaux qui peuvent nous mettre un peu la puce à l'oreille sur dans quelle pièce elle est, tu vois. Mais ça se tente, ça se tente. Ça se tente. Bonne exploration. Voilà. Hop. Hélène Martin? Hélène Martin? C'est quoi déjà qu'on demande? Quel âge avez-vous? Êtes-vous ici? Je sais pas ce qu'on demande en fait. Hein. Je sais pas ce qu'on demande aux dames, aux vieilles dames. Hein, qui sont... D'accord, bon courage. Hélène Martin. Hop. Voulez-vous que. Je sais pas, voulez-vous un café? Non, ça ne marche pas. Ça. Je pense qu'il n'y a pas de manifestation par ici, donc on va quand même gentiment aller ailleurs. Hélène Martin? Êtes-vous par ici? Voulez-vous que je m'en aille? Hélène Martin?
Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Hélène Martine? Hélène Martine? Non. Bon, vraiment, pas ici, il ne se passe rien. Oh, waouh, ça c'est flippant. C'est le truc le plus flippant qu'on a vu pour l'instant, c'est ce tableau. Ah non, c'est un ours, ok, d'accord, c'est un ours. Aimez-vous les ours, Hélène Martine? Oh, le computer. Oh, le computer. Thomas Wilson, ok. Bonsoir. Martin. Hélène Martine? On va rallumer le MF pour voir. Pour l'instant, j'ai absolument que Pouic, mon cher. Fermer les lumières? Oui, tout à fait. Alors, du coup. Ok, merde. Ok, alors, il Ok. faut aller dans le sous-sol, je crois, il y a le disjoncteur à rallumer. Oh, zut, ok. Je te suis. Moi, ça Oui, répondait pas, en tout parfait. cas, dehors, donc, voilà. Non, hein? Ben, écoute, moi, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose peut-être dans le garage. Ah, ouais, ça serait pas impossible. Et alors, je crois que c'est ce boîtier-là. Ah, ok, d'accord. Non, peut-être pas. Si, c'est ça. Faut réussir à l'ouvrir. Oui, hein? Voilà, ok. Ah, voilà. Puis, clic. Voilà. Voilà. C'est bon? Ok. Bon, attends, Absolument. les interrupteurs devraient fonctionner. Ok, super. Donc en fait, c'est le fantôme qui a fait ça, là, on est d'accord. Oui, complètement. Ça, c'est moi, ça. Ah, voilà, c'est bon. Ok, ça fonctionne. Ok. Ok, Bah en d'accord. fait elle aime pas la lumière, hein. Elle aime pas la lumière. Nous on aime pas le Non, j'ai noir, elle l'impression. aime pas la lumière. Je ferme la porte, ça me fait flipper. Ok, ça va. Le garage c'est par là. Est-ce que tu veux que j'y aille Oui, pour j'ai bien voir? l'impression que dans le garage, là, ça risque. Si c'est peut-être un. Bonjour. Dis-moi, ça me Ah, semble être. il y a un poudoum-toum. C'est ça? Oh, mille excuses, c'est moi. Ah, c'est moi. Pardon. Oh, il y a une poupée vaudou. Oh! Qu'est-ce qu'il Oh, faut la faire? perfection! Est-ce que. Ah merde, on a pas d'appareil photo, je crois qu'il faut prendre en photo cette saloperie, non, non? Oh, zut. C'est pas Attendez, grave, pas je vais la filmer! Voilà! grave. Voilà, ça c'est fait. Madame, vous êtes en live sur Twitch. Bon, bah écoute, je veux bien que tu fermes la porte si tu veux, je vais essayer de lui causer, Oui, mais. certainement, certainement. Hélène Voilà. Martine? Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Hélène Martine. Hélène Martine. Ok, bah alors n'hésite pas à dropper des trucs, genre poser ta caméra à un endroit stratégique. Drop tes affaires histoire d'avoir les mains libres. Hélène Martine? Voulez-vous que je m'en aille? Voulez-vous que je parte? Allô, allô? Les mains en l'air. Non, ça ne marche pas non plus, mais je sais pas, peut-être en entendant des injonctions comme ça. Non. Visiblement, il ne se passe rien. Le MF. Hop, le MF. Le problème, c'est que les items, ils se s'éteignent à chaque fois qu'on ouvre la porte. Hélène Martine? Se passe que quick. Car le MF, il détecte absolument rien. C'est. Je pense qu'il n'y a pas de fantôme. Mon cher Joe, je pense qu'il n'y a pas de fantôme. C'est une affaire rondement menée, nous pouvons partir. Ah! Ah bah justement, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de fantôme, les lumières ont clignoté. C'est marrant ça. Parfait. Hélène Martin, where Ah, t'as pris une box, ok, cool. Oh, c'est quoi ça? Ah bah ça, faut le prendre en photo aussi, c'est un os. Oh Tiens, merde. on a vraiment pas d'appareil. Attends, je vais voir si. Attends, je drop cette merde. Je vais voir s'il n'y a pas un Aucun appareil problème. photo. Je t'entends crier Hélène Martine de dehors, c'est marrant. Alors, je confirme que son activité est plutôt mollassonne puisqu'elle n'a pas dépassé le niveau 1 sur 10. Caméra, tamoulette. Ma foi, pourquoi pas. Merde, j'ai gardé la spell box. Je t'en prie. Je pense qu'on peut la traiter. On peut la traiter de chouin, je pense. Alors. Ouh, ça se tape. Oh, Tombé sur un bordel! os. Oui, où t'es où? Ah, t'es là, Juste ok. derrière toi, mon Ok, cher. j'ai pris l'os en photo. Je vais aller dans le garage prendre la poupée la Oui, poupée vaudou. certainement, certainement. C'est pas là. C'est là. Hello, Martin. Hélène Martine. Yo yo yo, Hélène Martine.
Hop là, c'est une belle photo aussi. Voilà, très bien. Elle, Martine? Non, bon. Ma foi. Ce n'est pas très concluant. Le MF, il donne absolument rien du tout. Est-ce qu'il y a un endroit où on n'est pas allé parce que... Ah, il y a une pièce là, on n'est pas allé là. Ah. Oh. Oh. Il y a un petit chat. Un petit ours, oh. Pardon. Oh. Ah, mais oui, oh, mais, oh. Mais oui, mais voilà. Est-ce que c'est voilà, toi qui m'as fait peur? Oui. Plus que le jeu. Mais, excuse-moi. T'inquiète, t'inquiète. C'est rien. Bon, mais écoute. Hein, je vais te laisser caster. Ah merde, j'ai drop la truc. J'ai drop le truc. Je l'ai droppé par terre. Donc je, si tu veux tester toi la box. Bon ben allons-y. Je teste. Bon, qu'est-ce qu'il faudrait ramener là, parce que... Un bouquin, Ellen Martin. Ça vient de savoir où est-ce qu'elle est en vrai. Est... je sais pas ce qu'il lui demande, mais c'est fameux. bon. Voyons, on a quoi? Bougie. J'ai pas de briquet, on peut pas allumer la bougie. Pourquoi j'ai pris une bougie? Le thermomètre, c'était pas une mauvaise idée, ma foi. J'ai toujours l'appareil photo, j'aurais dû drop ça aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est la lampe UV. Peut-être plus prendre la lampe UV. Mais... Voilà. Bon, c'est vrai qu'on ne fait pas des allers-retours optimaux, mais bon. Alors, ça donne quelque chose? Ah, c'est terrible, ça. J'ai pris une lampe ultraviolet. Oh! Voilà. Parfait. Si jamais. Voilà, mais bon, y a rien. Hein. Ah! Oh! Ok. Bon, c'était un petit coup de pression. C'était quoi ça? Elle nous a fait un petit coup de pression. Eh ben alors, par contre. T'es là? Oui, t'es là, ok. Oui. Voilà. Et puis. Bordel! Elle a éteint la lumière dans le couloir où on était. Il faut que je retrouve le MF là, parce que. Donc on devait être pas très loin d'elle en fait. Bah j'ai l'impression. Après je sais pas hein, mais oui ça. Ah. On a quelque chose là. C'est un peu mieux, j'ai l'impression par ici effectivement. Ah non, ça s'est mis à deux mais ça n'a non c'est faux salaire visiblement. Par contre elle a transformé les ampoules en tu sais les trucs Philips là qui sont connectés là parce qu'elle a pu les changer en rouge hein, alors que il y a des vieilles ampoules hein, je voilà. En rouge. Ah oui, t'as clignoté en rouge, ouais, c'était un peu creepy. Putain, bordel, ok. Dis-moi, mon cher. Oui. La pièce dans le fond complètement, là, la ouais. Chambre. Je suis venu ici, mais... Je suis venu ici tout à l'heure, il y avait rien. Mais bon, on est d'accord. Oh, j'ai quelque chose. Ok, oui, c'est définitivement dans la chambre de la petite. C'est définitivement dans la chambre du bébé. Ok, très bien. Ah, ou le couloir, sinon. Oh, ah, oh. Regarde, ça sonne là, hein. Jusque là, hein. Là, ça sonne pas. Martin. Ok, bah alors... Oh, ah plus rien. Oh. Bah, tu m'as fait peur. Zut. C'est pas censé okay, marcher comme ça. Maintenant, je me mets dans le placard. Mais normalement, c'est une safe place, ça. C'est ça que je comprends pas, mais... Soit, ah, zut. Non, mais ça a peut-être changé, hein. Mais normalement, on se cache dans les placards, tu vois. Bah écoute, je m'essaie. Ellen Martin. Mef, il donne rien. Hein. Nancy. Oh oui. Ah ouais, dans le placard, du coup. Oui, j'ai les. Ah non, hein. Ah non, c'est bon, c'est là. C'est dans la salle de bain. La salle de bain. Ouais, attention. Ellen Martin. Elle attaque, chute. Ah. Oh. C'est bon. T'es pas mort, hein. Oh non, t'es mort! Fuck! Bon! Eh, ça clignote! Bon. Well. Bon. Joe! You dead, bro! You dead! Sache que ton corps est... Oh, il dab! Ah non. Il dab avec le... Ah ouais, il dab à l'envers. Stylé, il dab à l'envers. Bon. Par contre, elle éteint la lumière, j'aime pas trop. Alors, on va faire un truc. Hop ça. Je
prends ça, je prends juste mon ami en photo, voilà, donc Joe, je te prends en photo, parce qu'en fait, l'assurance, tu comprends, maintenant l'appareil photo, j'en ai plus rien à foutre. Écoute mon cher, je pense qu'il y a deux, trois petits indices, voilà. Alors, je t'invite à aller dans ton journal pour qu'on voit, donc normalement tu m'entends. Dans le journal, l'EMF niveau 5, j'ai pas l'impression, donc on va le rayer, tu cliques deux fois dessus, c'est pas ça. J'ai cru voir un orbe fantomatique, mais je sais pas si c'est avec ça qu'on le voit, mais bon, vraiment, j'ai rien. Il faut que je cause avec la Spirit Box, voilà. Les empreintes digitales, j'ai pas trouvé non plus, mais bon. Il n'y a pas, hein, il faudrait plus d'indices. Après, sinon, on peut piffer un truc. Je vais essayer la Spirit Box, puis après, on va revenir. Voilà. Sachant que tu. Alors, normalement, tu peux attraper des objets et marcher à côté de moi avec. Enfin, des objets. Oh, wow! Je vais mourir, j'ai peur. Ah Oh boy, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah très bien. Eh bah très bien. Eh bah très bien. J'ai eu peur, j'ai eu peur. J'avoue, j'avoue. Je sais pas ce que ça rend, hein. J'espère que vous êtes content. Elle m'a dit un truc dans la Spirit Box, j'ai pas compris, je crois qu'elle m'avait dit hold, mais j'ai rien demandé. Bon, bah voilà, c'est pas mal, hein! Oh, c'était bon là! On a eu 12 $ de photos, je suis mort, moins 50%. L'assurance, j'ai bien fait de te prendre, t'étais mort. On a eu une réponse sur la Oui! Spirit Box, ça c'est beau. C'était un Moroi. Je sais pas ce que c'est que cette saloperie. Mais. Je sais pas, mais... Mais Oh, c'était c'était drôle! assez terrible. Alors, moi, elle m'a dit un truc dans la boîte avant de me tuer. Genre, elle m'a fait. Et bam, elle m'a buté, tu vois. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Moroi, mon cher? Je suis quand même un peu curieux. Ça fait partie des nouveaux. Alors, ils sont plus faibles sont leurs victimes, plus forts sont les Moroi. Donc, comme on a eu peur, ils nous ont sauté dessus. Ils souffrent d'hyperosmie, ce qui les affaiblit pendant de longues durées. Je sais pas ce que c'est que l'hyperosmie. Et alors, du coup, c'était la Spirit Box, l'écriture et les températures. Alors, c'est ballot parce qu'on avait tout pour avoir les indices, sauf qu'on est mort un peu Littéralement, trop tôt parce qu'il nous a foncé nous a dessus, le truc. Voilà. le bordel. Ah, ok, d'accord. Alors, en fait, il siphonne l'énergie des vivants, ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas récupérer de santé mentale visiblement avec cela. On est obligé d'avoir des antidotes. Alors, après, non, c'est Ah, peut-être d'accord. juste dans leur délire, ça, je sais pas. Bon, bah voilà, c'était bien! Merde. Bah écoute, hein, il se passe des choses, j'ai envie de dire. Il n'y a rien dans les vitrines, je pensais qu'on pouvait rajouter des choses, mais visiblement. Bref, on part sur une petite deuxième. Bah oui, mais oui, bien sûr. Du coup, tu m'entendais pendant que t'étais mort. Oui, Oui, bien sûr, en ok. fait, je te suivais. En fait, je te suivais toi et l'entité, voir un peu quand vous alliez vous Ah croiser. bah oui, tu la C'était voyais vraiment. aussi, du coup. Bah oui, Bien d'accord. sûr. Bien sûr. Ben oui. Alors, en termes Ce de synchrone. fut de toute beauté, mon cher. Ah bah là, j'imagine. Alors, tout à l'heure, j'avais pris une bougie, c'est bien, mais j'avais pas pris de briquet, donc c'est pas très pratique. Je sais pas ce que c'est que cette merde. Détecteur de mouvement. J'avoue que. Bon, appareil photo, bon, on en a déjà un. En fait, on a tout ce qu'il faut à peu près, hein. Enfin, Oui, le j'ai ben c'est thermomètre et la pas. lampe UV, c'est bien, mais voilà. Hop, voilà. Ah non, ça n'a pas marché, ok. Donc, faut d'abord que j'achète. Excuse-moi, hein, donc, la lampe UV, le thermomètre et la lampe UV. Elle est où? Elle est là. Bah, acheter. Voilà. La lampe UV, celle-là, mis. Ok, thermomètre. Ok, bon, je crois que j'en ai acheté un en trop. Je ne comprends pas. Pourquoi ça ne l'a pas mis? Ajouter. Voilà, c'est bon? Voilà, mais oui. Je ne sais pas s'il y a le thermomètre. Ah oui, il est en bas, j'avais pas scroll. Ok. Alors, du coup, on a plusieurs. Oh là là, on a. Oh, bah alors là, on a débloqué des trucs, mon cher. Je t'invite à aller, du coup, sur le menu, là, et à gauche, donc, il y a les différents contrats. Tu peux cliquer sur un contrat qui te plairait. Sachant que, du coup, on avait fait la petite maison de base, qui a 11 Mais pièces et 2 en escaliers. fait, On a des maisons un ils poil plus sont grandes. tous bloqués dans mon cas, mon cher. Ah merde, ok. Alors, du coup, je peux te proposer une autre petite maison qui a un étage de plus. Voilà, il y a deux maisons qui ont des étages de plus. Il y a une petite maison dans la ferme, dans la campagne, ça a l'air rigolo. Une autre maison un poil plus petite, il y a une pièce de moins que celle qu'on a faite. Sinon, on a l'école, mais l'école, c'est 58 pièces, laisse tomber à deux, c'est l'enfer. Et on a une autre petite farmhouse. Donc, du coup, nous avons deux farmhouses.
Je suis bien tenté de faire une petite farmhouse parce que je crois que je n'en ai Allons-y, jamais mon cher. fait. Donc, let's go. Ah, sinon, on a la prison aussi, mais c'est beaucoup trop gros aussi. Hop. Parfait, Voilà, c'est voilà. parfait. Eh ben, écoute, let's go. On se retrouve dans le camion. Boum! Absolument. Ah, merde, je l'ai coupé. Bon. Une magnifique maison traditionnelle dans les bois. Dommage que personne n'était là pour entendre ces derniers occupants courir pour leur survie. J'adore. Les fantômes sont connus pour traquer les victimes en noir. Oui, oui. Oui, bah oui. Ouais. Je pense que, en fait, petite dédicace à Kuro, hein, si tu regardes ça, avec plaisir qu'on jouera ça à plus nombreux. Là, on joue à deux, histoire deux, mais carrément, si le jeu te botte toujours. Parce que là, il nous manque un expert, j'avoue. Il nous manque un expert. Voilà. Le Voilà! voilà! Le Mais voilà, le oui! voilà! Et bah, du coup, je sais pas si toi aussi t'avais une petite annonce assez sympathique de type une jolie maison champêtre, dommage que les gens n'étaient pas là pour voir les victimes mourir et courir pour leur survie. C'est ça qu'il y avait écrit dans la présentation de la maison, je pense que ça nous rassure, voilà. Alors, vois-tu, nous avons un étage ici. Hop, voilà. Voilà. On a des plans. Ah, il y a deux étages, pardon. Ah oui, Oh, d'accord, il y a les oui, combles en effectivement. fait! Regarde tout en haut. Je sais pas où tu es. Et voilà. Il y a les combles en fait. Là, tu vois, il y a pas de. Là, il y a des pièces. Là, il n'y a plus de poison. Donc, je pense que les Ah, combles doivent d'accord. être. Voilà. Petite maison sympathique, ma Ouh là foi. là, là 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 là, Alors, au moins, d'accord. le fantôme, ce coup-ci, répond à tout le monde. Donc, on ne sera pas obligé d'être Ah, seul. parfait. Repousser l'entité avec un bâton d'encens. J'en ai toujours pas acheté. Navré. Empêcher l'entité d'attaquer avec un crucifix. Nous en avons un. Donc, en fait, si elle t'attaque et que tu as un crucifix dans les mains, le crucifix casse. Et toi, tu ne meurs pas. C'est pratique. Ah, c'est bien ça. Détecter un son d'origine paranormale avec un micro parabolique, nous n'en avons pas non plus, je suis navré, je n'avais pas envie d'acheter tous les trucs. Oh, pas très grave, hein. Voilà, bah ma foi. Alors il s'appelle comment? Elle s'appelle Marcia Stevens. Voilà. Marcia Stevens. Je pense que c'est la mort qui l'a assassinée. Alors qu'est-ce que tu as pris de beau? Tu as pris ton thermomètre Alors, j'ai et pris l'EMF. le thermomètre et Le petit bidule, c'est un EMF, ça, si jamais. ce truc. Moi, voilà. T'inquiète. Moi, je vais prendre. Écoute, bah, écoute, écoute, écoute. Ah oui, il y a encore une bougie, mais j'ai pas acheté de briquet. C'est con. Je vais prendre ce petit projecteur rigolo là. Je crois que c'est un projecteur écolo. Excellent. Son nom déjà, c'est quoi ça? Marcia Stevens, Bah, voilà. oui, mais merci parce que j'avais oublié déjà. As-tu pris les clés? Non. Bah non. Non, Comment on j'ai fait les pas. visites, mon cher? Comment on peut faire les visites si on a pas... Dis donc, c'est champêtre, hein? C'est très très bien. Et j'ai 4 degrés au thermomètre. Ah oui, bah niveau température glaciale, écoute, on verra la diff. Hein. Hop là. Poupidou, pidou. Oh bah dis donc par la fenêtre déjà, c'est joli, je ne vois que le papier tue-mouche. Ah bah il est déjà rentré. Genre... Bon, ben ça commence bien. Alors déjà. Ah oui, si, il y a l'électricité, c'est déjà pas mal. Alors chasse du coup. Sache pardon, qu'on se fait plus chasser quand on est dans le noir, donc effectivement. Ah oui, ben oui, classique. Faut essayer de. Peut-être bien. Marcia Mais Steven. dis donc, par contre, on en parle quand même quand on allume la lumière, il fait noir. Genre. Oui, ben c'est très très... Oui, Oui. écoute, j'y vais. Je vais au deuxième étage. Ok, d'accord, direct. Marcia Steven. Alors, ma foi, il y a une hache qui est posée sur le bureau. Donc, je pense que c'est Shining, tu vois. Oh là. Comment ça marche déjà? Ça se pose sur le. Ah oui, c'est ça. Ah oh, waouh. C'est toute beauté ça. Et c'est la mort qui t'a assassiné. Putain, mais on voit rien par contre. Ah, ça, Stevens, vous auriez pu acheter des ampoules. Je comprends pourquoi il est monté, hein, on voit rien en bas. T'as de la lumière toi? Ah oui, ok. Ouais, parce que c'est. C'est moi. Non, parce qu'en bas, j'ai pas trouvé le bouton pour explorer un peu plus loin, donc je me suis dit, Oh, ben bah, c'est bien. tant pis. On va le calmer. Marcia. Est-ce que t'as une. Est-ce Marcia, what is your name? que t'as une Voilà, spirit c'est box, toi, fait. du coup? What Ouais. is your name? Oh! Marcia Steven? Oh, bah, c'est une bien belle Marcia chambre, ça. Steven? Tu crois qu'elle préfère quand ça sature? Ben peut-être. Marcia Stevens. Marcia?
Ah, en fait, oui, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure, mais on n'a pas eu le temps, on a été interrompu par la mort. Oui, dis-moi. En fait, quand les salles de bain sont incriminées, par exemple, il y a de l'eau noire, rouge, dégueu dans les éviers, un peu partout. Oh, Enfin, parfait, voilà, d'accord. bah, c'est déjà ça la remarque, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il se passe des choses un peu dans les pièces. Ok, parfait. Bon à savoir. Globalement, il se passe des choses. Ben écoute, j'entends ma montée pour le troisième Ah étage. bah écoute, je te suis. C'est tout à fait parce que j'ai peur. Il marche pas tout le temps ou c'est moi qui. C'est ma torche, moi. Bah oui, mais. Ok. Ah si, il marche. En bas, oui, c'est moi qui déconne, mais. Ah non, j'ai pas éteint en haut. Là, ça, c'est En Elsa. fait, c'est plus un bug visuel qu'autre chose, en Ben non, fait. parce que là, là, il n'y a plus de lumière. Là. On est bien d'accord. Oui. Il n'y a plus de lumière. Marcia Steven? Ah putain, par contre, c'est. Alors, en fait, J'ai pas j'ai pris un l'impression objet qu'il. rigolo dans la Oui. rubrique objet rigolo. Oh, Discothèque! mais Bouh! oui! Bouh, bouh, bouh. Voilà. Oh, mais oui, Alors, mais la perfection! ça se met dans le noir, et puis je sais plus ce qu'on voit, mais. Bon, le truc, c'est qu'on n'est pas très bien stuff, il faudrait mettre une caméra et tout pour voir ce qui se passe. Enfin, je veux dire, il faudrait pas Ouais, ok, rester à côté, d'accord, ouais, quoi. je Mais comprends. bon, je vais peut-être le garder. Oui, Et on le écoute, mettra dans une salle où on sait bon, qu'il se passe quelque chose. j'ai pas l'impression. Peut-être en bas, on n'a pas tout En bas, il vérifié, y a je une sais pas. pièce que, effectivement, j'ai pas trouvé la lumière, en fait. Donc, Bon, alors, allons-y, disons. j'ai eu un peu peur. Voilà. Après, regarde, je sais Dieu pas si t'es venu sait. ici. Viens voir, regarde, il y a Monsieur Nounours sur son fauteuil. Genre, il pèse, tu vois. Bah, n'est-ce pas? Voilà. Par Ben contre, oui, franchement. ils ont des chambres. Laisse tomber, hein. C'est la petite farmhouse, Il mais. fait 23 degrés ici. Oh, il fait chaud. Oh, il fait chaud. Oui, quand Les même, quand radiateurs même. fonctionnent, en tout cas. Mieux que la lumière. C'est une bonne Oui, chose. voilà, hein, C'est une bonne donc chose. voilà quand même. Quoi. Je tombe à 15, 14, Ok. 11. 11. Bon. Après, peut-être que Ah. c'est mal isolé en bas, hein, la chaleur monte, tout ça. Oui, j'ai Alors là, peut-être faut qu'on trouve l'impression. la lumière absolument, parce que là, c'est l'enfer ici. Monsieur Steven. Ah, elle est là, je suis con. Pourquoi je l'avais pas vue? Ah, bah voilà. Ah, ben oui. Ah, bah il y a le petit ventilo en même temps. Ah, bah il y a la vieille télé. Bah Oui. parfait. Oh, ben, on est à l'extérieur, ok. Ah, il y a un dehors? Ben oui. Ah, on peut rentrer par ce côté-là, ok. Ok, bon, bah c'est bon à savoir si on veut fuir, on peut fuir par là. Enfin, Absolument. quand elle attaque, de toute façon, les portes sont fermées, c'est le Oh, il problème. faisait. Oh, ben non, mais c'est parce qu'on était à Oui. l'extérieur, d'accord. Oui. Ah, Ben il oui, effectivement. Oui, bien sûr. y a une pièce. Merci à Steven. Une pièce qui a pas de bouton. Ah, si. Bonjour. Merde, c'est. Ah, ça a éteint le. Ah. Martien? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je Monsieur fais? Steven? Monsieur Steven? Joe! Joe, la lumière est Dis-moi. éteinte. Et genre, les plombs. Les plombs. C'est les plombs. Oh non! Mais je sais pas où c'est. Ah bah attends, ça doit être ici. Ça doit être ici, je pense. Non? C'est pas. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Ah ben là, j'avoue que j'ai pas la moindre idée, On hein. est dans quoi là? Ah bah non, on est dans une cuisine. Une sorte de cuisine, oui, j'ai l'impression. Ok, bah alors les Y plombs. a-t-il un sol à cette maison, Ben, dis-moi? je crois pas, justement. Ah, oh, ben dis-moi, Oh! les plombs sont sûrement au grenier dans ce cas-ci. Ouais, mais il y a tellement de pièces. Attends, il y a des bûches là. Y a peut-être un truc par ici. Putain, on connaît pas la maison, c'est le problème. Ah, on est dehors. Ok. Ça mène à dehors ici. On va voir par là. Je sais pas s'il y a des bûches, peut-être il y a un stockage, tu vois. Je sais pas. Bordel. Oh, mais tiens, regarde, il y a des jerrycans et tout. Y a peut-être moyen. Effectivement, ça semble être un peu l'espèce d'entrepôt ici. Loin. Bon, non, je vois pas, je vois rien sur les murs. Ouais, bah, au C'est grenier, hein, je suis d'accord, complètement. sinon, Bon, ben allons-y, hein, j'ai envie de allons-y, dire. allons-y. Mais c'est fou parce Oh, il que. fait 6 présents. Il fait 7, mon cher. 7. Bon, écoute. 7, c'est pas encore trop froid, je crois. Non, d'accord. En plus, on a ouvert D'accord, les d'accord. portes. Non, je sais pas si ça marche. Mais. Par Monsieur contre. Steven! Alors, je sais pas si c'est le moment qu'on se la ramène un peu, parce que j'avoue, on est dans le noir. Ah, ouais, Enfin, d'accord, c'est bon. c'est pas pour t'embêter, hein. C'est juste. Non, mais t'as drôlement pas tort, tiens, j'ai envie de dire.
Ah, mais c'est frais, hein? C'est très frais, mon cher. C'est frais quand même, ouais, ok. Oh là là, j'ai du 2 degrés, mon cher. J'ai du 2 Ah, ok, d'accord. Bon, 2 degrés, ça commence à être. J'ai du 1 degré. J'ai du D'accord. 1 degré. Ok, on peut considérer qu'il fait froid, effectivement. Donc, dans ton journal, on pourra mettre température glaciaire. Je pense que ça fonctionne. 1 degré, c'est pas logique. Surtout qu'on Oh, est 26. effectivement, il fait très froid. D'après moi, elle est à cet étage-ci, mon cher. Ok, bon, bah, alors, du coup, si on va là-haut, on sera peut-être plus ou moins tranquille. Peut-être. Oh, mais dis-moi, il fait 1 degré également au grenier, par contre. Ah merde, bon. Tout à l'heure, il faisait 26, hein, c'est ça que tu m'as dit. Hein. Ah oui, Ah bah, ça dit effectivement. si elle a coupé le chauffage, je sais pas si. Non, je sais pas du tout comment ça marche. Ah, ben je sais pas. Oui, peut-être, effectivement, que ça joue. Je vois rien au mur, hein. C'est Ah terrible. ben moi non plus, mon J'ai cher. purée, nos lampes torches, elles ont oublié d'éclairer, en fait, hein. C'est fou. Faut que j'achète la giga lampe torche, parce que là. Ok, bah, je suis plus ou moins. Je me prends des poutres dans la tête. La Ah ben peinture. j'ai rien vu, hein. Merde, bah c'est où alors? C'est terrible ça. Bien, c'est bien caché, hein. Il y a une pelle. Je crois qu'on peut lui donner des coups de pelle. Bon, bah écoute. C'est terrible. Ben écoute, peut-être que ça se trouve au deuxième tout simplement aussi, hein. Ouais. T'es où? Ah oui, t'es là-bas, ok. Bon, Ben bah juste écoute, ici. je vais redescendre, mais Oui, parce que bon, je trouve on pas est d'accord qu'il l'escalier. n'y a rien ici, hein. Non, y a rien. Bon, au moins, on a fait un bon tour. Si on a rien, j'ai rien trouvé non plus à prendre en photo. J'ai l'appareil photo sur moi. D'accord. Bon, ben écoute, j'ai envie de dire. Oh oui, il fait un bon 1 degré là. Ok, bon. Est-ce qu'on pourrait pas se mettre ça quelque part, là, genre pour voir un peu plus clair? Non, Oui, non, non. très Ouais, bonne c'est pour idée. très. Ouais. Bon, ben écoute, fouillons, fouillons, hein. Bah après, c'est pas incohérent dans le sens où si elle est à cet étage-là, c'est peut-être à cet étage-là qu'elle a coupé les murs, tu vois. Je sais pas. Ah, pas bête. Quoique tout à l'heure, elle était pas dans le garage. Si, elle était pas dans le garage. Je sais plus. Elle n'y était pas trop loin, Plus. non, Ouais, c'est pas trop effectivement. loin. Bon, j'ai pas l'impression que ça se trouve dans ce de ce côté ici. J'ai cru avoir entendu quelque chose dans mon oreille, mon cher. Oh merde. Alors, c'est vrai que oui, j'avais oublié ce détail, ça vient de me revenir. Les fantômes, quand on joue en amateur, nous laissent tranquille un bon petit 5 minutes, je crois, avant qu'ils commencent à faire mumuse. Ah, Fait que d'accord. là, ça commence à. Bon à savoir. Le temps de gentillesse est passé, je crois. Merde, je ne Je trouve vraiment pas, hein. sais pas du tout où c'est le problème. Ah, attends, dis-moi, peut-être ici, tiens. La buanderie. Ah oui, bonne idée. Je saurais même pas te dire si je suis passé ici parce Ah que. ben zut, hein, non, pas du tout, hein. Merde, c'est où? Zut. On a regardé Ok. au premier, on a regardé tout en haut. Bon, là, je ne sais plus par où qu'on est parti, puis qu'est-ce qu'on n'a pas Je fait. te cache pas que je suis perdu. Ah merde, ça c'est l'escalier, ok. C'est un petit peu le bordel. Ah, oh, attends, cette pièce-ci, je suis pas sûr. Ah, oh, Salle ben, de c'est la bain? salle de bain. Ouais, ça me paraîtrait Non, un peu non, con de on va mettre pas ça rester là-dedans. ici, dans la salle de bain, mais non. Oh, il fait 0 degré, mon cher. Ok, bon, la température glaciale, c'est bon si tu veux mettre ça sur ton journal. Dans l'épreuve, on a température Absolument, glaciale. j'y vais de ce pas, Bah température écoute, glaciale, je voilà. vais, histoire de, puisqu'on est ici, voilà, je mets ça là. Ah oui, il fait vraiment 0 degré, Si on voit que ça c'est bouge, vraiment le. si on voit que les. T'as entendu ça? Oui. Ok. Oh! Mr. Steven! Oh oui, voilà, oui. Ok, elle Oui, attaque ça pas, bouge. mais. Attends, on sort. Ah! On crie cette carte. Ça attaque. Merde. Ok. C'est bon? Ouh, Ok. tout Et un, est-ce qu'il ok. était à 5 ton bidule? Ben, disons qu'il était à un bon 4 là. Ok, bah alors 4 c'est pas 5, mais je sais pas si ça change quelque chose. Mais bon, dans le doute, on va le garder quand même. Du coup, le projecteur, c'est le projecteur DOTS, c'est le truc DOTS que j'ai mis, le petit truc vert. Ok, C'est peu. projecteur Dot. Alors, je l'ai posé, mais ça veut pas dire que ça marche. Hein. Faudra voir avec une caméra ou un truc. Ah, ok, d'accord, je comprends. Mais du coup, je l'ai posé histoire d'avoir une main libre. Bon, alors déjà, c'est le deuxième étage, ça, c'est sûr. Oui, assurément, mais là, bon, il nous faut quand même. Ah, pardon. Peut-être qu'on va prendre des trucs dans le. Enfin, je vais prendre un truc dans le camion, je sais pas Oui, ben écoute, quoi. en fait. Ben écoute, je Mais. vais dessus. Ah, bah, tu peux laisser le thermomètre. Parce qu'on sait que le Je vais. thermomètre, on est à zéro, c'est bon.
voilà, exact. Donc le thermomètre, je vais pouvoir m'en passer. Bon, alors du coup. Écoute, je vais prendre. Je vais prendre un bouquin, si tu veux. Je sais pas si. Ouais, tu peux prendre un bouquin. Faudra le dropper et d'y décrire dedans. Bon. Ah oui, il est quand même monté à 5 en activité, tu vois. Ah bon, ok, voilà, donc quand même. Au moins, c'est pas trop vénère d'un coup, c'est gentil. Le crucifix, c'est bien. Non, mais en fait, le problème, c'est qu'il faudrait une grosse lampe torche, on n'a pas ça. Une lampe UV, tiens, pourquoi pas, pour voir d'autres trucs. Ma foi. J'ai toujours l'appareil photo, mais j'ai rien vu à prendre en photo, donc je vais le laisser, de toute façon, on voit rien. Donc je vais prendre une caméra pour poser à côté du projecteur DAT. Certainement, mon chat, certainement. Est-ce que... Ah, attends. Comment ça marche, la caméra? Merde. Est-ce qu'elle filme? Ah non, elle filme pas. C'est une caméra qui filme pas. Comment on l'a fait filmer? Ah. Elle filme en 4K. Ah, c'est bon, ok, ça marche que quand on est dehors. Ok. Ah, mais je peux voir à travers la caméra. C'est vachement pratique. Mais je t'invite éventuellement à prendre une caméra, justement. Bah, écoute, ça peut vachement t'aider, hein, je pense. Mais allons-y avec ça dans ce cas-ci. Ouais. T'as droppé quoi du coup? Ok, ouais, bah, le thermomètre. Ouais, bon, le MF, on se laisse un petit doute. T'as vu un 4, peut-être que ça va montrer à 5. Hein. Je ne sais pas. Mais en fait, voilà, quand tu sors, elle se déploie. Si tu cliques, tu vois en vision nocturne. C'est vachement pratique. Bien, ça fait un petit point de vue bien, bien spooky. Hein. C'est spooky. Hein. Oui, on est d'accord que c'est drôlement épeurant, tiens. Ouais, parce que du coup, moi, je regarde que là-dedans et je regarde pas le reste. Mais écoute, au moins, on pourra voir. Bon, écoute. Objectif, trouver le foutu fusible. T'entends le pshhh? J'entends le pshhh, oui. Ouais, je sais pas ce que c'est. C'est un robinet, on est d'accord. Un robinet à l'étage, du coup. Ok, il a ouvert un robinet. Elle, pardon. Ok. C'est la cuisine, mon cher. C'est dans la cuisine? Oui. Ah merde, donc elle serait dans la cuisine maintenant? C'est bizarre. Je ne sais pas, hein, non. Ah oui. Oui, si, 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 si. Si, 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 si. Si, elle vient de pleurer dans mon oreille. La caméra s'embrouille, la caméra s'embrouille. Oh, je la voyais derrière toi. Non. Fuck. Fuck. Bon. Oui, bon, bah tue-moi. Tue-moi, Marcia. Vas-y. Et c'est la mort qui va m'assassiner. Bah... Bah, elle veut pas me tuer. Oh, bitch. Tue-moi qu'on en finisse. Bon, bah, Joe, tu fais un très beau... Oh, bah non, il a la face... Ah oui, elle casse la nuque, hein. Oui, bon, allez. Allez, tue-moi. Marcia, j'en ai marre de t'entendre pleurer. Attends, je vais quand même cocher un truc au pif. C'est un revenant, voilà. Ah, je t'ai vu. Voilà. Allez, boum! Ce jeu est trop dur pour nous, bonsoir. La prochaine fois, on jouera à plus que deux. Oh, wow, la perfection! Ah bah là, merde, ça... oh, je l'entends puis ça coupe. Ah, ça fait des petites raideurs dans la nuque quand même, hein. Ça finit un peu. Bon, bah écoutez. Écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Alors, eh ben, on a eu un total de 0, puisqu'il ne s'est rien passé. Génial. 0 XP. Ah si, l'assurance, quand même. L'assurance rembourse. L'assurance rembourse. C'était un fantôme, voilà. Tout simplement. Un pauvre fantôme. Bon. Du coup, ouais, température glaciale. Eh ben, figure-toi que c'était pas glacial. Un 0 degré. Il faut vraiment que ça soit dans le négatif. Parce que là, quand on met température glaciale, le fantôme est caché. Donc ça ne marche pas. Voilà. Ah, d'accord. Sinon, bon, du coup, le fantôme. Regarder un fantôme fait baisser ta santé mentale. Prendre un fantôme en photo le fait disparaître temporairement, c'est pratique. Du coup, on aurait eu le projecteur vert aurait fonctionné. Sinon, il aurait fallu effectivement la lampe UV et la petite boîte pour parler avec. Voilà, bon, voilà. Bah écoute, c'est un 100% d'échec, mais j'ai envie de dire, c'est ça qui est bon aussi. Est-ce que ça t'a plu, mon cher? C'est l'heure de la fin de l'épisode. Mais oui! C'était bien. Évidemment que ça m'a plu. Je pense que pour la prochaine fois, il faudra qu'on joue un peu plus nombreux, effectivement. Donc, j'ai déjà quelques noms en tête. Hein, voilà. Mais voilà. Bon, bah écoute, je suis content d'avoir pu rejouer avec toi à ça. De même.
Et puis voilà, est-ce que tu as un petit mot à dire pour nos chers viewers qui auraient tenu une heure de vidéo quasiment? Mais oui, mais totalement. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Armat pour en avoir davantage de contenu gratuit, mes chers. C'est tout le temps la perfection. Vivement le 500 abonnés sur ce prochain épisode. Merci. Et ben moi, je termine sur un gros plan de l'intérieur de ta bouche. Salut à tous, c'était Armat et Joe.